Plus je vais loin dans le morceau, plus je vais loin dans le fichier audio. Et inversement, si je reviens au début, je reviens bien au début. Donc là, ça c'est le mode le plus simple en fait, qui est vraiment fidèle au vinyle, comme si je lisais un vinyle normal qui n'était pas time codé. Alors par contre, dans ce mode là, on n'aura pas accès au point Q, puisque vu qu'on est lié au time code, on ne peut pas revenir en arrière par rapport au time code, ou en avant, on ne peut pas naviguer. C'est pareil pour le mode boucle. Ici, vu que le mode boucle n'est pas accessible en mode absolu, il me met la photo du fichier audio. Donc, ce que je vais faire, c'est que le deuxième, je vais le mettre sur la même clé que celui-ci. Donc, il est plus haut en tonalité, mais maintenant, il est compatible. Donc, je vais mixer les deux comme ça, puis on va voir que on peut même descendre celui qui est plus haut, ou monter celui qui est plus bas. Le résultat revient au même. Seulement, quand on a, par exemple, à deux demi-tons, je peux en fait descendre celui-ci d'un demi-ton et monter celui-ci d'un demi-ton. Donc les deux seraient compatibles du coup. Donc celui-ci est deux demi-tons plus haut que l'origine. Donc ça va surtout servir, là, par exemple, j'avais chargé donc des samples qui étaient pour mettre en boucle, ce qui fait qu'ils sont bien édités, donc la longueur des samples vont ensemble en fait, c'est-à-dire que si j'en lance un, quand il va arriver au bout, ça sera la même chose pour l'autre. Alors parce qu'on a plusieurs façons de servir du sampler, on peut s'en servir en mode juste comme ça, ou alors pour faire tourner des samples, donc à la manière d'un séquenceur, pour faire tourner des pistes simultanément, comme là. J'avais donc chargé ces samples-là, qui étaient faits donc pour les faire tourner ensemble. Et donc là, la fin du sample est très importante, puisque c'est elle qui va déterminer quand on va repartir au début du sample. Donc par exemple ici, là j'avais décalé le point d'entrée parce que le premier kick n'était pas bien entendu. Alors la boucle elle sera plus courte que prévu, puisque je l'ai raccourci en mettant mon point Q un peu plus loin. Ça ne va rien changer à ce dossier-là, puisque ce dossier-là est affiché ici. Par contre là, dans le dossier préparé, ici c'est la même chose. Je mets ce morceau là, il disparaît de la liste, et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à la fin de la liste. Donc on peut déjà en fait se préparer ici des dossiers, les charger d'en préparer, et les fichiers un par un disparaîtront aussitôt qu'on les aura chargés sur une des deux platines. Donc c'est une solution qui est pas mal, puisqu'on peut aller très vite à enchaîner les morceaux, puisqu'on n'a pas besoin d'aller les sélectionner. Et c'est quand même pas la même chose que dans un dossier, puisque là, dans le dossier là,